Dépêche-toi, c'est pour du calme. Pour ta suite, voilà un adulte. Qu'est-ce que c'était? Regarde, c'est notre nom. Hé, Mélissa, ça a vraiment l'air abandonné. C'est un miroir abouti. Ah, Elliot, on est où là? C'est pas, c'est un cimetière. Regarde, il y a un miroir. Attends, pour arriver ici, on est passé par un miroir. Peut-être que ça peut marcher. On est où? Attends, tu reconnais pas? On dirait la maison de nos parents. Attends, peut-être que on passe à travers les miroirs et qu'en même temps on voyage dans le temps et on reste au même endroit. Faut trouver un autre miroir. Comme ça on va remonter la piste pour retrouver le jour où nos parents ont disparu. Regarde, on est bien dans la maison. Mon miroir, mais je crois pas que ce soit le moment. N'est-ce pas, petite souris? Et puis c'est qui ce type? Mais c'est lui qui a inventé le miroir temporel. Attends, Mélissa et Elliot, c'est nous? On est chez nos parents? On a réussi? Ouais, bon, je suis un petit peu déçu. Bon, dis pas ça! Faut trouver un plan maintenant. Très bien, on m'a donné une augmentation. Faut pas qu'il tombe dans le miroir. Quoi? Faut pas qu'il tombe dans le miroir? J'ai une idée. On n'a qu'à casser le miroir. Sauf que le problème, c'est que les parents vont nous entendre. Il faut attirer leur attention. On n'a qu'à passer les bébés. Regarde, c'est nos bébés. Ouais. T'as pas changé, t'es toujours aussi moche. Hey. Et bah écoute. Allez, faut les pincer maintenant. J'en ai marre de ces bébés, ils sont toujours en train de pleurer.